Bien que force l'ordre dans le pays a pris initiative dans le dernier moment ça pour combattre l'insécurité qui gagne un bon bout de temps depuis la ferrage pour aller plusieurs citoyens et citoyennes paisibles dans le pays a sans chapeau en bas balle bandit sans foi ni loi sur territoire national là plus particulièrement dans zone pleine nan côté la police fait coup rouge pour chasser nèg ak gros am lou nan men yo kap simen panik nan différentes localités nan commune Croix des Bouquets. Ça pas empêché bandi nan cité Doudoun commettre yon acte terrible malhonnête sous plusieurs moun zone Pontaba jou kite samedi 20 août 2022 ya. Parmi victimes sa yo te genyen famille des enclos maman a deux petites filles criblées en babal et puis assassin yo mette du feu sous famille sa. Face à situation tragique ça OPC qui c'est protection citoyen yon institution nationale pour promotion ak protection droit moun ak protection droit moun yo nan yon note li mette de yo fait konnen yo te apprendre nouvelle ça ak désolation tristesse zak san non ça qui te fait nan tabac 27 là qui c'est responsabilité allié 400 Marozo yo office protection citoyen présenté ses patil ak met Simpson des enclos nan occasion disparition brutale madame Lee Joseph fils des enclos ak deux nan petit fil yo Sarah G des enclos ak Sherwood Sonji des enclos au PC qui gen nan tête li Renan Edoville comme protecteur citoyen dit noter bien gen en pile gros effort police nationale d'Haïti déployé pour traquer et puis démanteler gang ameyo population dans divers quartiers dans la capitale là qui c'est Port-au-Prince, Croix des Bouquets, Tabac et Cité Soleil continuer à victime et puis prend yo en otage. Cependant, Fondation J'éclairé FJ Kayel qui gagne en tête li, Marie-Olène Gilles, pas traité dans silence li pour aller dans même sens avec OPC à travers un communiqué, dit yo apprendre doule ça à consternation. Fondation J'éclairé fait qu'on est Met Simpson des enclos, c'est membre fondateur FJ Kayel et puis secrétaire dans conseil direction Fondation Rouen. C'était Met des enclos selon communiqué qui a lancé programme assistance légale dans Fondation J éclairé quand elle te mette compétence dans service moun qui pas capable de payer service un avocat tant dans assistance juridique que dans assistance judiciaire. Même communiqué ça rappelé première petite fille famille en Sherwood Sonji des enclos c'était une étudiante mémorante en droit dans faculté droit sciences économiques et puis l'étape travail dans APN qui c'est autorité portuaire nationale et la trier Sarah G des enclos lui-même était diplômé dans secrétariat Kaïse Christoyo l'était une finissante dans droit dans faculté droit et sciences économiques Gonaïve l'était étudié comptabilité dans université Port-au-Prince. Il était effectué un stage dans FJ Kayel pendant 4 mois avant d'être intégré dans le ministère économie et finance pour nous dire ça seulement sous mesdames victimes. Madame Josette Fils des Enclos, qui a 56 l'année sous tête, il était fait le 10 novembre 1966 avec deux petites filles, cher Wood Sonji des Enclos, qui a 28 l'année, il fait 23 d'août 1993 avec Sarah G des Enclos, 24 récords café sous tête, il était fait 10 février 1998, côté famille ça t'a résisté à une tentative kidnapping. Malheureusement, yon coup qui pas trivé fait, bandi ouvert coup de zam sous famille ça et puis boule yo. Dans occasion, te gen yon machine qui te gagné deux autres femmes qui te passé en bas même moulo bandi yo, côté yo te criblé yo ak balle qui te yo en dans machine nan ak deux mota qui te criblé en bas balle bandi yo pour journée samedi 20 août 2022 ya.